Frère, ma soeur, n'aie pas peur. Je voulais te laisser ce message-là. Tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer ta foi. Oh oui. Si tes enfants, ça ne va pas, tu vois que ça ne marche plus à l'école, pose ta main et dis à l'ennemi d'ôter sa main sur leur cerveau au nom de Christ Jésus. Si c'est ta conjointe, pose ta main et prends autorité. Parce que mon frère, ma soeur, chaque fois la pleine lune, tu as des crises. Avant la pleine lune, commence à dire à quelqu'un, viens, on va s'associer. Et prends autorité sur ces phénomènes, ces épilepsies et toutes ces choses-là en pleine lune. Qui perd le sang, sur le c'est voilà qui est là l'outa. Des troubles sans cause en pleine lune. Voilà qui pied la faute. Le mois d'octobre est le mois satanique le plus dangereux. Octobre qui vous laisse en bas qui vous tournez tes yeux. Les choses les plus terribles c'est pas dans ce mois-là. Il y a le carrément de qui kanga. Donc c'est pourquoi chaque octobre il y a certains qui ont des problèmes. Il y a les octobre qui vous ne vous entendez yela. Le mois de problème c'est le mois de confrontation, le mois les mois où il y a des problèmes dans les familles, dans les situations. Et beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça. Pourtant, quand ils regardent, si vous prenez le mois d'octobre, vous regardez les différents éléments chaque année, vous allez vous rendre compte que c'est dans ce mois-là que vous avez trop de problèmes, le mois d'octobre et le mois de décembre. Parce que c'est dans ces deux mois-là qu'ils veulent beaucoup plus de sang. Qu'ils veulent tuer beaucoup de gens. Parce que c'est le sang là qui leur donne la force. C'est pourquoi en fin d'année, les gens disent non, il y a trop d'accidents. Non, c'est eux qui provoquent cela. Donc, avant de voyager en décembre, commence à prier, invoque le sang de Christ Jésus. Donc c'est pourquoi il est temps aujourd'hui de regarder ta journée. Quand tu te réveilles tard, parce qu'eux ils se réveillent très très tôt. Donc c'est pourquoi ce soir là mon frère, ma soeur, change ta manière, lève-toi. Ce ne sont pas les 2 minutes de prière qui feront du mal à Satan. 3 minutes de prière ne font rien à Satan. Dis à Satan, garde-moi, garde mon mari, garde mes enfants, ça c'est de l'amusement. Donc tu dois te tenir et commence à crier pour ta famille, pour ton mari et pour tout. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de lever tôt? Ce soir, tu vas prier toi-même. Et tu vas briser tous les enchantements et les liens des satanistes qui ont programmé pour toi que tu te lèves tard, que tu te lèves fatigué. Et regarde, tu veux te lever chaque matin tôt, mais tu n'arrives pas. Pourtant, tu ne trouves pas de cause exacte. Alors, tiens-toi debout et brise ce soir-là. Tous les enchantements des sorciers, des satanistes contre toi. Qui ont programmé que tu te lèves tard parce qu'ils ont déjà programmé ta vie de la journée. Élève ta voix et prie maintenant et prends autorité. Brise les enchantements, les ordonnances des satanistes programmés contre toi pour les journées dans les cieux, programmés contre toi dans le second ciel. Prends autorité au nom de Christ Jésus. 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 Amen. 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 Maintenant, mon sang, tu vas te tenir contre toute opération satanique. Comme ils l'ont fait avec Daniel. Daniel qui empêche tes prières de descendre. Il faut dire que tu annules toute opération satanique. Il faut s'amuser dans tout pour faire. Et que tu mets au désarroi toute attaque satanique. La faut soit dans tout qui empêche que tes prières descendent du ciel du Père. Il faut pousser le Libanais et Sigi. Et qui empêche tes prières d'être exaucées. Il faut pour prends autorité au nom de Christ Jésus maintenant.
Prends autorité au nom de qui Jésus. Dis à Satan d'ôter sa main. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Prends autorité aujourd'hui. Prends autorité aujourd'hui. Prends autorité aujourd'hui. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Ce soir. Zabra. Toutes tes prières exaucées qui ont été paralysées au second ciel. Satan les a mis dans son grenier. Et il les a enfermés. Ce soir, tu vas dire à Satan et au grenier satanique d'être brisé ce soir et de lâcher toutes tes prières qui ont été exaucées par les pères mais qui sont prisonnés dans le second ciel. Prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Prends autorité ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Ce soir, Zabra, tout plan satanique qui a été fomenté contre toi et ta famille, contre ton mari en particulier, mais contre tes enfants, ce soir, Zabra, utilise le nom de Jésus comme un marteau, marteau pour briser tous les plans sataniques contre ta famille et libère ta famille ce soir au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, Zabra, tu vas dire à toutes les forces des eaux, de l'air, de la terre, qui ont enseveli ta destinée. Tu dis à l'air, tu dis aux eaux de s'ouvrir et à la terre de libérer tes destinées et ce que tu as prévu pour toi au nom de Christ Jésus. Jésus. Tu vas dire ce soir, tu vas parler au soleil qui va se lever demain matin, à la lune et aux étoiles, que maintenant que tu n'es plus ignorante, que tu les interdis de coopérer avec toute force satanique pour te frapper, frapper ta famille. Parle au nom de Christ Jésus. Jésus, tu vas ouvrir tes deux mains devant toi et tu vas dire à Satan, Satan, esprit démoniaque, écoutez-moi ce soir.
dans ses deux mains. Nous le grand Dieu a déposé son autorité, a déposé ses bénédictions. Mes mains ne seront plus vides. Partout où je poserai mes mains, tout ce que je toucherai sera béni par le Seigneur. C'est pourquoi Satan, tout ce que tu as volé, tu me restitues au septuple. Enlève ta main sur mes bénédictions. Parle-lui maintenant de libérer tes bénédictions au nom de Jésus. Jésus, Satan a planté des semences dans ta vie. Satan a Bouddha, comme Jésus a dit, que quand lui a semé, Satan est venu la nuit semer. Satan a Bouddha, et les deux semences sont poussées. Bon Bouddha, tu vas dire ce soir la sabre, que toute semence satanique, Satan bon Bouddha, toute semence démoniaque Zindame, bon Bouddha, qui a été plantée dans ta vie, dans ton mari, dans tes enfants, so, la kwa, que ces semences soient brûlées ce soir bon par le feu du Saint-Esprit. Si je vous m'arrive, tu vas dire ce soir que toute bataille dans le second ciel te concernant soit gagnée par les anges de Dieu. Aucun ange de Dieu ne puisse faillir. Que tout ce que Dieu a envoyé comme ange ne soit pas arrêté au ciel. Au second ciel, déclare que tous les anges que Dieu a envoyés pour te venir passeront au nom de qui Jésus viendront sur toi. Parle. Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit ce soir à l'ennemi que Dieu t'a programmé pour faire des bonnes œuvres et que tu ne termineras pas ta vie dans la misère, que tu n'échoueras pas parce que Dieu a créé ce que Dieu dit réussit toujours. Dis à l'ennemi, je suis un succès. Dis-lui que tu ne peux pas échouer, quel que soit ses projets, tu réussiras. Tu réussiras. Parle-lui. 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 Au nom de Christ Jésus. Christ Jésus. Amen. Amen. Dis ce soir que tout ce que l'ennemi a mis dans son filet
L'ennemi a mis ton nom dans un cercueil. Il a mis le nom de ton mari dans un cercueil. C'est pourquoi ton mari est malade, ça n'arrive pas. Dis ce soir que tout filet satanique, tout cercueil satanique, tu les brises ce soir pour libérer ton parent, ton mari, tes enfants au nom de Christ Jésus. Christ Jésus, Satan a failli décourager Job. Satan a tout le monde sans Job. Il a enlevé tout. Mais Dieu a restitué cette fois ce que Job avait perdu. Alors c'est pourquoi ce soir-là, dis avec moi, Satan, tu as une fois encore échoué. Je ne me découragerai pas. Pas les choses que Dieu a prévues pour moi. Verrons leur accomplissement. Mon avenir est assuré. L'avenir de ma famille est assuré. Les bénédictions de Dieu dans ma vie s'accompliront. Je verrai de longs jours. Aucun soleil, aucune lune, aucune étoile, ni les eaux, ni le sable, ni aucune forme de liquide ne peut prévaloir contre moi, ni ma famille. Ce soir, j'arrache chaque membre de ma famille de ta main. Je brise tes pouvoirs sur mon mari, ma femme, mes enfants, sur mes parents. Satan, je déclare ce soir que par le sang de Jésus et par la parole de ma bouche, je suis plus que vainqueur, car je suis une nouvelle création. Maladie dans mon corps, vous êtes détruite ce soir. Malédiction, vos pouvoirs sont brisés ce soir. Je prends mon envol comme l'aigle. J'ai la force de l'ours. Je suis prospère. Les bénédictions de Dieu pleuvent sur ma vie. Et je marche dans la victoire. Je quitte le fauteuil de la pauvreté. Je quitte le siège de l'échec. Je me lève du lit de la maladie. Je sors de la dépression, de la défaite, et je marche dans la victoire. Remercie le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, quiconque est malade dans son corps pose ta main sur son corps maintenant. Si tu as mal à la tête, tu poses ta main sur ta tête.
Si c'est le cœur, tu poses ta main sur le cœur. Si tu es venu, c'est pour un parent qui est malade. Si c'est pour ton mari. S'il a des problèmes, pose ta main là où ton mari est malade. Si c'est ton enfant, pose ta main là où l'enfant est malade. Même s'ils ne sont pas ici. Si c'est ton parent, même s'il est à l'hôpital, pose ta main où ton parent est malade. Je vais prier au nom de Christ Jésus. Que ce soir, le Seigneur va opérer la guérison, la délivrance. Si tu es tourmenté par les esprits mauvais, je vais invoquer le sang de Jésus maintenant. Si tu nous regardes à la télévision maintenant, ça va se passer. La puissance de Dieu passe à travers la télévision et te touche maintenant. Excellent Père de grâce, je viens contre l'esprit d'infirmité qui affecte ses corps. Ici ou dans les maisons, et même au-delà du Burkina Faso, parce qu'en esprit il n'y a pas de distance. Je prends autorité maintenant dans le nom de Christ Jésus. J'ordonne à l'esprit d'infirmité qui affecte ses corps par le cancer, par la drépanocytose, par l'hypertension et le diabète, par les maladies dites incurables, je prends autorité sur ces maladies, les maladies cardiovasculaires, les maladies de sang. Je réprime ce soir l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité. Je te commande ce soir dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, tu libères ce corps. Je commande maintenant à l'hémorragie. Je commande à toute forme de maladie. Angine de poitrine. Hypertension. Je commande aux arthroses, rhumatisme. Je commande à toutes les maladies au niveau donc des ulcères. Je réprime cela ce soir. J'ordonne maintenant qu'au nom de Christ Jésus, toutes ces maladies reçoivent la guérison. Au nom de Christ Jésus, mon Dieu, mot d'oreille, mot de bouche, nos langues, recevez la guérison ce soir. Ce soir, Zabra. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Que vos parents que vous allez trouver à la maison reçoivent la guérison au nom de Christ Jésus. Et vos amis reçoivent la guérison au nom de Christ Jésus. Esprit démoniaque, esprit de mort, esprit de suicide, esprit de peur, esprit démoniaque, esprit de trouble. Je te lis ce soir. Je commande esprit impur. Je vous paralyse maintenant dans le nom de Christ Jésus. J'ordonne à ces esprits, mari de nuit, homme de nuit, femme de nuit, esprit de destruction, je commande esprit de sorcellerie, esprit de malédiction, ce soir, je vous lis au nom de Christ Jésus. Je commande libérer ces hommes et ces femmes maintenant, au nom de Christ Jésus. Démons, esprit, partez maintenant. Libérez leur vie. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance maintenant. Au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance maintenant. Au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance maintenant. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur. La guérison se passe maintenant. La délivrance se passe maintenant. Rendez grâce au Seigneur. 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 Car la guérison se produit maintenant. La délivrance se produit maintenant. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous 5 minutes. Maintenant, il y a des gens qui sont venus parmi nous depuis les soirs.
Ils n'ont pas eu l'opportunité de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur vous donne l'occasion ce soir. Sinon, tout ce que vous recevez, vous pouvez le perdre. Ce soir, là où vous êtes, vous dehors comme à l'intérieur, vous devez vous lever pour recevoir ce Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il a pris vos péchés à la croix de Calvaire. Il est mort pour vous. Alors ce soir, vous vous tenez debout là où vous êtes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour dire ce soir, moi je crois que Jésus est l'agneau de Dieu. Je veux lui donner ma vie. Parce que je sais que ce Jésus là est bon. Il a donné sa vie pour moi. Tenez-vous debout rapidement. Ne perdez pas du temps. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est le temps de la grâce. Vous vous tenez debout là où vous êtes pour recevoir Jésus. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Non, vous partez où? Ils s'en vont où? Ils viennent ici? Non, il ne faut pas qu'ils bougent. Tenez-vous debout pour recevoir Jésus. C'est le temps du salut maintenant. C'est le temps de la grâce maintenant. Il y a plusieurs ici au dehors. Est-ce que vous voyez les gens au dehors? Je ne les vois pas. Balancez les mains comme ça. Voilà. Voilà. Mettez vos mains sur vos poitrines. Il est déjà tard, on ne va pas vous appeler devant. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont debout là, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés à la croix du calvaire. Tu as pardonné tous mes péchés. Ce soir, je te reconnais. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur. Je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et maintenant, je reçois le salut, la vie éternelle. Je suis passé de la mort à la vie. Et maintenant, je reçois la vie éternelle. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Dieu est mon Père. Je suis un enfant de Dieu. Merci ce soir parce que je suis né de nouveau. À toi la gloire, Seigneur. Père, je te remercie pour ces hommes et ces femmes que tu as reçus dans ton royaume. Tu as inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Tu les bénis maintenant. Que ta grâce soit sur eux. Ta bénédiction soit sur eux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclamons-les.